tu es dans ma vie. Mon âme te loue, mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, pour ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'attente de ton retour, Jésus. Que tu visites nos cœurs encore ce matin, pour que rien ne nous empêche de rater ton retour. Lorsque tu viendras chercher ton Église pour aller dans la maison du Père, je serai enfin avec toi, Seigneur, j'attends ton retour. Lorsque tu viendras chercher ton épouse pour aller dans la maison du Père, je serai enfin avec toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Car tu es le Seigneur de ma vie. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Car tu es le Seigneur de ma vie. Le Seigneur Jésus viendra chercher son Église, mais pas n'importe quelle Église. Une Église prête, une Église avec des cœurs purs. Et ce matin, nous allons en parler afin que personne ne rate l'enlèvement parce qu'il n'aura pas fait attention à certaines motivations dans son cœur. Alléluia. Seigneur Jésus revient, il revient bientôt. Et nous devons vraiment, vraiment veiller sur nos cœurs qui peuvent nous tromper énormément et passer à côté de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Étranger sur la terre, pèlerin sur la terre. Ma cité est là-haut, ma patrie est céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue dans la paix de Jésus. Donc, je suis le pasteur Guy Rémy Pombou et j'ai la charge ce matin au nom de toutes les pages par lesquelles vous êtes connectés ce matin pour nous écouter, que ce soit Ministère Église ou la page Guy Rémy Pombou, l'Église, la page
la main d'association Paris. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, donc, nous allons partager la parole de Dieu. Comme ce cantique que nous venons d'écouter nous le rappelle, un jour Jésus-Christ, notre Seigneur, va revenir nous chercher. Mais si nous ne veillons pas sur nos cœurs, nous pouvons rater l'enlèvement. Et donc ce matin, nous allons parler justement de cet esprit. Le titre, c'est l'esprit, attention à l'esprit destructeur de Caïn et des pharisiens dans l'Église. Un esprit, quand je parle d'esprit, ce n'est pas forcément un esprit démoniaque, mais un mode de fonctionnement et un mode de réaction et un système de pensée qui est très très subtil comme l'orgueil, qui est masqué et qu'on ne discerne pas toujours, mais qui est très très destructeur et qui fait des ravages énormes et qui peut justement nous faire rater l'enlèvement avec cette surprise d'entendre peut-être un jour le Seigneur nous dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, arrière de moi, je ne te connais pas parce qu'il y a de l'iniquité dans ton cœur, il y a de l'injustice dans ton cœur. L'iniquité, c'est au-delà du péché, c'est carrément un fonctionnement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc il y a ce piège très subtil qui mine beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens et dont on ne fait pas souvent attention et très souvent ce poison est là et nous sommes empoisonnés nous-mêmes. Et nous empoisonnons beaucoup de personnes autour de nous. Je pense qu'à la fin de ce partage, nous allons, pour beaucoup d'entre nous, nous reconnaître. Et Dieu voulant, mardi, nous continuerons avec ce moment de partage et d'échange après une brève présentation. Donc, le thème, le titre, c'est « Attention à l'esprit destructeur de Caïn et des pharisiens dans l'Église ». Un thème très, très, très important. Caïn. L'esprit de Caïn que nous pouvons définir le plus simplement du monde, hein, que nous pouvons trouver dans la Bible, qui est la jalousie et l'envie dans l'Église. Et le pharisien, c'est l'opposition au véritable évangile et l'opposition à la vérité. Et souvent, ces deux systèmes de fonctionnement, ces deux systèmes de pensée sont comme des poisons dans des motivations très, très, très masquées, masquées dixième niveau, dans ce que beaucoup de chrétiens font. Et dans les comportements, dans les attitudes, dans les réactions, cet esprit-là, ce mode de fonctionnement qui est contraire au fonctionnement divin, est souvent masqué, est souvent bien habillé, souvent bien maquillé, et pas toujours facile à discerner en soi-même déjà, parce que c'est un esprit de séduction, et pas facile à discerner aussi chez d'autres. Et donc, c'est en fait cette semaine, pendant que j'allais au travail et que j'écoutais dans la voiture la parole de Dieu, exactement pour plus de précision, j'écoutais le livre de Philippiens. C'est un avantage, hein, dans la voiture, en écoutant la Bible en audio, vous pouvez lire, vous pouvez écouter en totalité tout un livre de la Bible. C'est qu'on ne peut pas toujours faire lorsqu'on est assis, parce qu'on a le temps d'écrire, mais là, on peut tout écouter. Et donc, je crois que c'est le mercredi ou le jeudi, j'étais interpellé en tout cas, le Saint-Esprit m'a interpellé par rapport à ce thème, suite à ce que l'apôtre Paul dit. C'est pour ça que je nous le partage ce matin. Nous allons partir dans le livre de Philippiens, chapitre 1, du verset 12 au verset 17. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, il retrace une période particulière de sa vie, qui dit, frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire, tous les détails sont importants, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle ou l'évangile. En effet, tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. Presque tous les chrétiens, en voyant que je suis en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors, ils ont deux fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Si le texte s'arrêtait là, on dirait, c'est magnifique, c'est extraordinaire, alléluia, gloire à Dieu. On voit la parole de Dieu qui avance en dépit du fait que l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison. On voit que tout le monde à Rome, que ce soit le gouverneur, que ce soit les officiers de Rome, tout le monde sait que c'est pour l'évangile, c'est pour la parole de Dieu qui se retrouve dans cette situation,
compliquée, dans cette situation difficile. Donc, on s'attendrait à voir des chrétiens dire « Alléluia, Amen, Seigneur, soutiens ton serviteur, Seigneur, ta parole avance, Seigneur, les âmes connaissent l'évangile, connaissent la vérité. » Mais l'apôtre Paul va rajouter une chose, et c'est là où le Saint-Esprit va m'interpeller pour que je nous le partage ce matin. « Certains annoncent Christ avec un bon cœur. Ils le font par amour. Ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle. Mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes. Et de cette façon, ils pensent rendre plus dure ma vie en prison. » Donc j'ai été interpellé, en tout cas le Saint-Esprit m'a interpellé pour que je nous le partage, sur les versets 16 et les versets 17. Ils veulent s'opposer à moi, mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes et de cette façon, ils pensent rendre plus dure ma vie en prison. Une autre version dit, verset 17, « Quant au premier, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. » Frères et sœurs, le but de ce partage, les deux buts, c'est déjà de nous faire prendre conscience de l'existence de cette catégorie de chrétiens. Et le deuxième but, c'est nous interpeller pour que nous ne puissions pas ressembler à ce genre de chrétiens. Parce qu'il est question ici des chrétiens, des gens dans l'église, des chrétiens, des membres de nos églises, donc des serviteurs de Dieu des différentes églises, de rassemblements de chrétiens. Je disais tout à l'heure en m'exclamant que si l'apôtre Paul s'était arrêté au verset 16, au verset 15, on serait tous contents. Ça, c'est le bon fonctionnement des enfants de Dieu. Dans le sens où on sait que le pasteur Jérémie se retrouve en prison parce qu'il est persécuté. Donc, on bénit le Seigneur. On voit le courage du serviteur de Dieu. Et donc, les frères et sœurs vont se lever. La timide maman Carmen et la peureuse maman Carmen vont se lever pour dire, ben, nous aussi, on va aller évangéliser. Nous aussi, on va se lever. Celui qui n'arrivait pas à parler en public, comme tonton Géost ou Mambemba, va se dire, ben, nous aussi, on va aller dans notre ville au bord de la mer. On va aller évangéliser. Alléluia. On n'a plus peur. On ne craint plus rien. Et donc, il y a ce mouvement de force, de volonté, de zèle qui va s'animer pour aller apporter l'évangile, parce que nous sommes fortifiés par le témoignage du pasteur Jérémie qui s'est retrouvé en prison, au grand désarroi de sa tendre métisse. Mais non, au lieu de cela, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à un comportement à faire pleurer. Lorsque le Saint-Esprit a attiré mon attention là-dessus, j'ai été piqué d'une pointe de tristesse, comme une révélation, pourtant je le lis, mais en tout cas c'était un rappel. Vous imaginez que votre frère en Christ, pour la parole de Dieu, par la fidélité à Dieu, par la fidélité à Jésus-Christ, pour que la parole de Dieu soit annoncée, et donc il se retrouve dans une situation compliquée et difficile, au lieu de prier, d'intercéder, de louer Dieu pour que le Seigneur éventuellement le sorte de la prison, non, vous n'êtes pas content. Mais vous allez avoir une jalousie. Même pas la bonne jalousie, il n'y a pas de bonne jalousie qui existe. Je veux dire pas seulement la jalousie de « moi aussi je veux prêcher la parole de Dieu pour me retrouver en prison comme Paul ». Non, mais une jalousie vraiment des plus diaboliques. Le frère en Christ est en prison, Paul est en prison. Le chrétien, ces chrétiens-là vont estimer qu'ils ne souffrent pas assez. Parce que rappelons-nous qu'ils se retrouvent en prison. Et non, on n'est pas content, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc chercher à accentuer sa souffrance. Ils vont donc chercher à accentuer sa douleur. Vous imaginez ce genre de motivation? Vous imaginez ce genre de comportement? Est-ce que ça peut venir de Dieu? Non, ça ne peut venir que du diable. Mais ce sont des chrétiens qui vont avoir une telle motivation, un esprit de rivalité, un esprit de jalousie. Ils vont chercher à s'opposer. Le bonhomme, il est en prison. Ils vont chercher à s'opposer quand même en lui. Ok, bon, il se retrouve en prison. On est content qu'il soit déjà en prison. Mais ça ne suffit pas. On va encore rajouter davantage à sa souffrance. Si on peut même le tuer, on va le tuer.
Et ils vont être minés par ce genre de motivation. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des chrétiens. Et donc, pour toi et moi, comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit que les disciples n'est pas mieux que son maître. Et le Seigneur Jésus dira, s'ils se sont opposés à moi, ils s'opposeront à vous. Donc déjà réalisé pour toi qui m'écoutes, ou toi qui m'écouteras, que cette catégorie de chrétiens existe. J'ai souvent des réactions de chrétiens qui ont été brisés, qui ont été démolis, qui ont même été proches de perdre la foi, même de considérer que tous les chrétiens sont mauvais, qui sont passés par cette mauvaise rencontre de chrétiens. Parce que souvent, à la conversion, on voit tous les chrétiens tout beaux, comment est-ce qu'on dit, tout beaux, tout pur ou tout brillant. Voilà, tout le monde, il est bon, tout le monde, il est beau. Tout le monde a le cœur du pasteur Richel. Et puis on découvre que non, tout le monde n'a pas le cœur du pasteur Richel. Qu'il y a certains qui ont des vrais cœurs de Caïn, des vrais cœurs de diable. Et donc, toi, tu viens, comme le Seigneur Jésus dit, vous êtes au milieu d'eux comme des brebis, mais au milieu, c'est des serpents, des scorpions. Puis un beau jour, l'agneau est venu tout beau, tout simple, un peu naïf, embrasser celui qu'il pensait être un frère en Christ, il découvre que c'est un Judas. Et beaucoup ont été blessés, beaucoup ont été trahis, beaucoup ont été démolis, parfois par des soi-disant serviteurs de Dieu. Et ils découvrent que, tiens, mais comment est-ce que dans l'église on peut être si méchant? Comment est-ce que dans l'église on peut être si mauvais? Comment est-ce que dans l'église on peut être pire que même dans le monde? Qui n'a pas découvert cette triste réalité? Nous avons tous un jour découvert cette triste réalité. Comme je l'ai témoigné en parlant de Nésiphore, le deuxième prénom qu'on a donné à Michel, et parfois à Philippe, et parfois on découvre que c'est notre pasteur qui est animé d'un tel état d'esprit. D'un tel état d'esprit. Ton propre pasteur, responsable de maman, ton responsable de chorale, parce que tu chantes mieux, parce que tu aurais une... C'est... Toutes les mauvaises raisons ont été mises en place et ce sont eux qui vont ainsi agir pour que tu sois à la limite même chassé de l'église. Donc c'est une réalité dont tu dois être conscient. Ce sont des rencontres que tu feras dans ta marche chrétienne. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil dans l'église. Jésus nous en a prévenu qu'il y a des fils du diable qui sont semés au niveau des églises. Même si nous veillons, même si matin, midi et soir, il y a pasteur Carmen qui a sa machette pour vérifier et sa houlette pour chasser, mais comme dit la Bible, le malin envoie aussi ses fils au milieu du peuple de Dieu par la bergerie de Jésus-Christ, il n'y a que ses enfants, mais au milieu de l'église bâtiment. Et donc, si un jour tu les rencontres, ou si tu les as rencontrés, et qu'aujourd'hui, je ne veux plus dans les églises, ils sont tous méchants, ils sont tous... Non, ils ne sont pas tous comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça. Il existe des bons, il existe des vrais enfants de Dieu qui n'ont pas ce cœur de diable, bien que se prétendant chrétien ou serviteur de Dieu. Mais cette catégorie, il faut que tu sois conscient que tu les auras. Le Seigneur Jésus a dit, s'ils se sont opposés à moi, ils s'opposeront à vous. Il a même dit qu'un jour, certains même vous chasseront de l'église, croyant rendre ainsi un culte à Dieu. Et donc, il y avait cette catégorie que l'apôtre Paul va rencontrer. Ils veulent s'opposer à moi. Donc, au lieu de ils vont personnaliser leur lutte. Personnaliser leur lutte. Ils vont chercher à s'opposer juste par désir de s'opposer à l'apôtre Paul. Ainsi sont beaucoup de chrétiens. Ainsi sont beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont fait du ministère leur affaire personnelle. Ils ont fait du fonctionnement leur affaire personnelle. Regardez, je lisais encore cette semaine le poste, je crois que c'est Nicanor qui l'a mis, un évangéliste avec qui je suis en contact, qui est en Côte d'Ivoire, qui avait mis un poste en disant que lorsque les autres ont un programme et qu'ils t'invitent, tu ne viens pas. Et quand toi tu as un programme que les autres
que tu invites ne viennent pas et tu fermes la figure. Dans le sens où on personnalise tellement le problème, nous allons le voir tout à l'heure, les choses de Dieu, que tout est devenu égocentrique. On ne fait pas les choses pour Dieu. Nous allons les développer tout à l'heure. Et donc, nous devons en être conscients. Donc, l'apôtre Paul dit, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité. Tout dans ce qu'ils font au nom de Dieu, c'est juste un esprit de rivalité. Nous sommes en train de parler des chrétiens. Leur motivation, c'est juste l'esprit de rivalité. Comparaison. Hein, je l'ai écrit, je crois, quelque part. Il y a un esprit de comparaison qui est là. Il y a un esprit de concurrence qui est là. Il y a un esprit de rivalité qui est là. Donc, le piège subtil qui est la jalousie est là. La concurrence est là. La comparaison est là. La rivalité est là. On se met en opposition par rapport à l'autre. C'est subtil. Hein? C'est pas évident en comparaison par rapport à l'autre. On est incapable de se réjouir de ce que Dieu fait dans l'autre. On est incapable de dire Alléluia, Amen dans ce que Dieu est en train de faire dans l'autre. Et donc, quand c'est celui que nous aimons, on va dire Alléluia, Amen, on va partager, on va vulgariser. Je ne parle pas ici de certaines choses qui ne seraient pas conformes au plan de Dieu. Je ne parle pas de ça. Il y a des choses, il y a des moments, je tenais, le Saint-Esprit tenait à ce que je le précise. Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas participer à une activité faite par un frère qu'il y a la rivalité, qu'il y a la jalousie. On peut ne pas partager ou même participer à à quelque chose qu'une église ou un frère fait parce qu'on n'a pas la disponibilité, parce qu'on n'a pas le temps et puis tout simplement parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas dans ce cadre-là. Et là, il faut vraiment veiller et surveiller sur son cœur. Il y a cette liberté qui est là où l'un peut être envoyé, l'autre peut être envoyé, mais à toi, Dieu dit, ne le fais pas. Ça n'a rien à voir, hein, comme l'évangélisation. Il y a des choses que Dieu peut permettre pour l'un, il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre pour l'autre. Voilà. Je ne parle pas dans ce cadre vraiment stricto sensus du plan de Dieu et du temps de Dieu et qu'il peut imposer à un de ses enfants. Je ne parle pas de ça. C'est pour cela non plus, il ne faut pas juger tout de suite quelqu'un qui n'est pas avec toi, qui ne court pas avec toi, qui ne te soutient pas ou qui ne partage pas ton poste. Il ne faut pas tout de suite juger. Voilà, je ne parle pas de ce cadre pur. Mais là, je parle du cadre massé où on ne le fait pas parce qu'on est rongé dans le cœur par rivalité, par jalousie, par envie. Donc, on est toujours dans la concurrence. Je veux que ce que je fais soit valorisé, ce que mon église fait soit valorisé, ce que mon mari fait soit valorisé. Et lorsque c'est l'église de l'autre, quand c'est le mari de l'autre, quand c'est le frère de l'autre, quand c'est l'activité de l'autre, ben on est rongé, on est comme miné. Et si on peut faire de sorte que ça ne soit pas connu, tant mieux. Et puis, subtilement, on a une jouissance malsaine dans le cœur. Mais qu'il faut être capable de discerner. Parce que ça viendra toujours, la chair cherchera le voir. Si tu ne veilles pas, si tu ne te surveilles pas, tu ne le verras pas. Tu ne le sauras même pas. Et tu ne seras pas capable de t'y opposer pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je le fais? Allez, je veux faire le contraire. Amen. Je veux faire le contraire. Jalousie, qu'est-ce que tu fais là? Rivalité, qu'est-ce que tu fais là? Concurrence, qu'est-ce que tu fais là? Esprit de premier de la classe, qu'est-ce que tu fais là? Nous allons voir, nous allons lire tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, non. Parce que la chair viendra, cherchera toujours à venir présenter, ouvrir la porte pour dire « je veux rentrer ». Et il faut être capable de donner un coup de pied à la porte, là, boum, pour qu'il prenne le coup et que la chair s'enfuit comme un chien à qui on a donné un coup de pied qui s'enfuit en aboyant. Pas de cadeau à la chair. Pas de cadeau, zéro cadeau. Amen. Donc, il faut veiller sur ça. On pense qu'on a, on a une bonne motivation, mais la motivation, elle est cachée, malsaine. On présentera les bons raisonnements pseudo-spirituels. On présentera des discours pseudo-spirituels. On avancera les choses, mais lorsqu'on gratte, on gratte. La jalousie en quatrième couche est là. La racine, le nœud, comment est-ce qu'on dit? La graine, c'est la concurrence. C'est la rivalité, c'est la jalousie.
C'est l'esprit de premier de la classe. Moi premier ou personne qui est là et qui sera là. Et si l'autre tombe, ben on est content. Et quand c'est l'échec, on est content. On est même incapable de prier pour que l'autre réussisse. Même s'il ne t'aime pas, même s'il est contre toi, on n'est même pas capable. Parce que, à la rigueur même, on souhaite un peu dans le cœur que ça n'aille pas, ça ne marche pas. Mais si ça marche, oh là 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 là, on est mal. Mais on va spiritualiser ce mal. On va le spiritualiser. Si tu n'apprends pas à veiller sur ton cœur, et si tu n'apprends pas à discerner même les arguments de celui qui veut masquer cela, tu vas même être entraîné, comme dans beaucoup de personnages dans la Bible, entraîné par, comme disait, par l'hypocrisie de ces gens. Parce que c'est de l'hypocrisie, la comédie. Tu vas être entraîné, un peu comme ça a failli arriver à Pierre, que l'apôtre Paul, ou Paul encore, a dû le reprendre pour dire, mais attends, oh, qu'est-ce que tu fais là? Et ça mine beaucoup de personnes. Et c'est ainsi que dans les églises, il y a des jalousies au point d'être capable de tuer. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une femme de pasteur. Vous voyez des choses jusqu'où ça arrive. Une femme de pasteur qui a été blessée. J'avais partagé le sujet. Très, très, très blessée par... qui est même blessée, traumatisée. Parce qu'elle a perdu et sa fille et son petit-fils ou sa petite-fille. C'est-à-dire que les gens sont venus une nuit. Et on a retrouvé, la police a trouvé sa fille mariée, tuée, et l'enfant qu'elle avait eu, tué. C'est le sujet que j'avais mis. Et donc, je parlais avec la femme du pasteur, et le grand soupçon, évidemment, c'est concentré sur les frères et sœurs de l'église. Pas hors de l'église, mais les frères et sœurs de l'église dont elle fait partie. Elle faisait partie, c'est une autre église. Parce que le zèle était tel que dans cette communauté, les femmes ne pouvaient pas prêcher, mais elle, on a vu tellement les dispositions qu'elle avait. Et donc, on a commencé à l'ouvrir la porte. Ça a semé beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, beaucoup de... Bon, ce n'est pas un cas particulier. Nous connaissons de nombreuses églises, actuellement de nombreux ministères où c'est poison sur poison, envie sur envie, jalousie sur jalousie. Et beaucoup de personnes meurent comme ça. Des gens qui sont partis en mission d'évangélisation et on les a empoisonnés par envie, par jalousie. Au point où aujourd'hui, il y a même des communautés où il n'y a pas d'agapé, il n'y a pas de repas en commun. Parce que la rivalité et la jalousie ont pris toutes ces places. Donc, veillons sur nos cœurs parce que c'est vraiment subtil. Tu défends la cause de qui? C'est paradoxal, hein? Si je devrais imiter le jeune pasteur Richel, je dirais, selon son expression, franchement, je ne comprends pas ce tel comportement. Franchement, je ne comprends pas ce tel comportement. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être de cela. Et l'Église doit veiller autant que possible pour que ce genre de choses, en tout cas les pasteurs, les responsables principaux, c'est pour cela que les choix des responsables... est vraiment, vraiment important parce que si les responsables sont animés d'esprit de Caïn, ben ils vont faire des dégâts. Des dégâts pas possibles. Celui qui a vraiment reçu l'appel de Dieu, celui qui a vraiment reçu le don de Dieu, ben il va être le massacré parce que ben pasteur Carmen va se sentir en danger. Son poste, mon poste, moi, en danger. Donc, celui-là, là, le pasteur Guérémy commence à tendre l'oreille. Ah non, 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 qu'est-ce qu'on va faire? On va lui couper les pieds là. Et c'est ce qui arrive. Nous devons veiller. Nous n'avons qu'un seul but et objectif, c'est la gloire de Dieu. Et l'œuvre du royaume, comme souvent dit le pasteur Richel. L'œuvre du royaume, l'œuvre de la croix. Travailler pour le royaume. Si on a compris l'évangile, c'est simple. Et les disciples, un jour, vont interpeller le Seigneur. Marc 9, 38 à 40. Jésus dit à Jean, Jésus dit à Jésus, Marc 9, 38 à 40, Jean dit à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom, nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. Jésus lui dit, ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un
fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. Bonne motivation. Bon raisonnement, mauvaise motivation. Plutôt. Raisonnement supra-spirituel. Jésus, il n'est pas avec nous, donc on ne peut pas le laisser faire. Quand même. J'ai dit non. Faut pas agir comme ça. Faut pas réagir comme ça. Laissez-le faire. Et souvent, nous voulons être plus spirituels que Jésus. Comme les pharisiens. L'esprit religieux qui est là, qui pense défendre les intérêts de Dieu, mais sans l'amour de Dieu, sans la vérité de Dieu. Qui pense défendre. Nous avons vu, il est en train de chasser, mais il n'est pas avec nous, donc on l'arrête, on le bloque. Et ainsi, on va faire du mal à beaucoup de frères, on va faire du mal à beaucoup de sœurs. Mais il n'est pas responsable dans l'église, mais il est en train d'aller évangéliser. Mais qui l'a reconnu comme évangéliste? On va. Le pasteur, est-ce que le pasteur a imposé les mains sur lui? Qui a reconnu? Mais si Dieu est en train de l'utiliser, laissez-le faire. Encadrons-le à la rigueur, mais laissons-le faire. Ah, il n'est pas de notre église. Il n'est pas de notre ministère. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de notre église? Qu'est-ce qu'on a à faire de notre ministère? Nous sommes là pour le royaume, pour l'œuvre de Dieu. Et si Dieu le permet, si la disponibilité est là, et si l'accord de Dieu est là, on va apporter la main d'association. Minimum, prier au moins, pour que ceux qui ont été envoyés, que Dieu puisse les éclairer, Dieu puisse les soutenir, que Dieu leur accorde la victoire. Mais au lieu de cela, dans notre mauvais zèle, nous faisons beaucoup, beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Combien ont été comme qui ont été comme ces dents tuées dans l'œuf. Par des paroles, par des actes, on a fermé la bouche. Par des paroles, par des actes, on a étouffé le don, on a étouffé le ministère. Et ils sont partis dans d'autres églises, on a discerné le don, paf, mais celui-là, il faut le laisser parler. Celui-là, il faut le laisser s'exprimer. Celui-là, il faut le laisser agir. Celui-là, il faut le laisser faire ceci, cela. Et la personne évolue. Je parle ici lorsque les conditions sont bonnes et non pas des conditions de freinage avec la mauvaise motivation, d'un esprit de contrôle. Et ça fait beaucoup de mal. L'apôtre Paul va rencontrer, par exemple, dans ce comportement qui n'est pas digne de Dieu, va rencontrer Alexandre le forgeron. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 13. Il écrira ceci. Ça, ce sont des réalités dans l'église. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Comment on peut s'opposer à des paroles de vérité? Comment est-ce qu'on peut s'opposer à des paroles de délivrance? Comment est-ce qu'on peut s'opposer à des paroles qui apportent la guérison? Les présentateurs, les historiens disent que Alexandre certainement a été l'un des collaborateurs de Paul, a été un de ses soutiens, et puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi, ben, il s'est mis à s'opposer fortement aux paroles, à la prédication de la vérité, à l'annonce de la bonne nouvelle. Il n'est pas dit qu'il s'est opposé seulement, mais il s'est fortement opposé, au point où l'apôtre Paul dit « Il m'a fait beaucoup de mal ». Et la version, la Bible selon Darby, je crois, dit « Alexandre l'ouvrier en cuivre a montré envers moi beaucoup de méchanceté. » Beaucoup de méchanceté. Comment on peut être méchant à l'égard ou contre
une personne qui n'a que la volonté d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur, dans la vie d'Alexandre pour qu'il en arrive à se comporter ainsi, à devenir un opposant à la parole? On suppose que c'est le même Alexandre dont l'apôtre Paul dit que je les ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qu'est-ce qui s'est opposé? Est-ce un compromis dans sa vie? Est-ce qu'un péché caché, un péché mignon caché, qui a fait que le pasteur qu'il aimait, le frère qu'il aimait, est devenu comme son pire ennemi qu'il fallait détruire au point de s'opposer fortement? Imaginez, quand on parle fortement, vraiment, des discussions vives. Donc, certainement proche de la bagarre, proche à l'affrontement physique, contre la vérité. Et ça a blessé profondément l'apôtre Paul. Il dit, cette méchanceté m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On était frères, on était complices. Toi, le pasteur qui rémit un beau jour, tu me considères comme ton ennemi personnel qu'il faut tuer. Tu t'opposes fortement à cette parole que nous partageons autrefois. Toi, mon frère, pasteur qui rémit. Et tu fais de moi ton adversaire personnel. Et j'en suis blessé. Et je ne peux pas me relever. Et tu te poses à cette vérité inattaquable de la parole. Combien ont été profondément blessés comme l'apôtre Paul par des Alexandres le forgeron dans les églises. Parce que chacun un jour rencontre son Alexandre le forgeron. On en a rencontré celui que tu nommes ancien, celui que tu nommes pasteur en second, celui que tu nommes diaconesse, celui que tu nommes en position de confiance dans le bureau, qui disait Alléluia, Amen, puis un jour tombe dans un quelconque compromis et il est dérangé par la prédication et il commence à considérer que la parole qui est prêchée, c'est lui qui est visé. Alors que tu ne fais qu'apporter la parole de Dieu. Après, il commence à murmurer. Après, il commence à murmurer au niveau de l'église, il commence à diviser l'église, et puis un beau jour, tu découvres que tiens, 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 il y a un groupe d'opposition qui s'est installé dans l'église sans que tu t'en rendes compte. Et puis un beau jour, l'église est divisée. Alexandre le forgeron est parti avec une partie de l'église. Et je connais des pasteurs qui se sont retrouvés chez eux. Un pasteur me disait il y a quelques mois, on s'est retrouvé chez moi, mes enfants pleuraient, je pleurais, et il fallait que je les soutienne. Ma femme ne voulait plus mettre les pieds à l'église. Parce que ce pasteur avait rencontré son Alexandre, le forgeron, qui s'est opposé fortement à ses paroles. Et il en a été très, très blessé. Dans 1 Corinthiens, on retrouve toujours cet esprit de Caïn et de pharisiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 11 à 13, l'apôtre Paul dit, oui, mes frères et sœurs en Christ, les gens de la famille de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes entre vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous affirme des choses différentes. L'un dit, moi j'appartiens à Paul. L'autre dit, moi à Apollos. Un autre encore, moi j'appartiens à Pierre. Et un autre dit, moi au Christ. Est-ce que Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été cloué sur une croix pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? L'apôtre Paul était scandalisé. Est-ce que Christ est divisé? Est-ce qu'on peut être, moi je suis de Guérémie, moi je suis de Richel, moi je suis de Maman Michel, moi je suis du pasteur Carmen, non, 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 moi je suis de Tambemba, non, 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 moi je suis de Maman Nelly, non, moi nous sommes des chrétiens de la RDC, non, 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 nous c'est des chrétiens du Cameroun, Haïti. Christ, comment est-ce que Christ peut être divisé? Donc une église comme Corinthe qui avait, la Bible dit qu'ils avaient tous les dons. Ils avaient tous les ministères et ils passaient leur temps. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Barnabas. Moi, je suis d'un tel. Moi, je suis de. Et l'apôtre dit, mais non, même, il dit, même moi-même, non, même Paul, je ne veux pas que comment est-ce qu'on va dire, que vous vous revendiquiez de mon ministère ou de mon église, si j'extrapole, ou de moi. Je ne veux pas, je refuse. Ne me mettez pas dans ces bêtises diaboliques. Ne mettez pas mon nom dedans. Non, je refuse.
En tout cas, je pourrais dire comme l'apôtre Paul, non, non, je ne suis pas dedans. Nous sommes de Christ et Christ n'est pas divisé. Mais regardez le nombre d'églises qui sont divisées, qui sont écartelées parce qu'il y a cet esprit de rivalité, cet esprit de jalousie. L'apôtre Paul n'avait rien demandé. Pierre n'avait rien demandé. Apollos n'avait rien demandé. Mais il y a toujours des gens qui veulent faire des choses derrière les serviteurs de Dieu pour créer de la rivalité, pour créer la concurrence. Non, moi, je suis plutôt de pasteur Richel. Moi, je suis plutôt du pasteur Guérémy. Moi, je suis plutôt du pasteur Odifax, si tu nous écoutes, qui est actuellement sur Paris. Moi, je suis plutôt de moi. Non! Richel n'a rien demandé, Guérémy n'a rien demandé, Odifax n'a rien demandé. Mais souvent derrière les pasteurs, il y a des gens qui se revendiquent comme ça. Moi je suis. Après, ça crée des problèmes. Et un beau jour, on tombe de... Mais ça sort d'où? Ça a commencé comment? Et comme dirait le jeune pasteur, franchement, je ne comprends pas ces choses. J'arrive pas à comprendre ces choses. Christ n'est pas divisé. Donc, si tu es animé de ce genre de comportement, il dit, mais est-ce que c'est Paul? Est-ce que Paul a été cloué sur une croix pour vous? Moi, je suis de Paul. Est-ce que Paul a été cloué sur une croix pour vous? Donc, si ton zèle est au nom d'une église, si ton zèle est au nom d'un serviteur de Dieu, si ton zèle est au nom d'un ministère, mais ton zèle n'est pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Ton zèle n'est pas de Dieu. Viens dans notre église, tu vas être sauvé. Mais depuis quand une église a sauvé une personne? Viens écouter notre pasteur, tu vas être sauvé. Depuis quand un pasteur a sauvé une personne? La vérité se trouve dans notre église. Depuis quand la vérité se trouve dans votre église seulement? Et là encore, c'est subtil. Hein? J'écoutais l'un des pasteurs. Bon, bref. Ah là là. Masqué subtilement. Où on peut vouloir dire que voilà, la vérité c'est nous quoi, voilà. La vraie, la pure, la vérité c'est nous. Vous c'est des petites vérités, mais nous c'est grand V quoi. Tout cela est subtil. Tout est subtil. C'est pour ça que dans la Bible il y a quatre évangiles et qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu, qu'il y a plusieurs épîtres. Derrière des raisonnements pseudo-spirituels, faut vraiment, c'est pour ça que la Bible dit veille sur ton cœur, pas veille sur le cœur des autres, veille sur ton cœur. Amen. Et tu vas y découvrir des motivations que tu ne soupçonnes même pas. Et si tu es sensible, tu veux plaire à Dieu, tu vas même en être attristé et tu vas faire davantage attention. C'est tellement subtil. C'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir, aller dans la présence de Dieu pour après réaliser que non, derrière la décision, c'est pour cela aussi que c'est important d'écouter les uns, d'écouter les autres, ça permet de pouvoir discerner parfois le penchant charnel dans lequel on est en train de se laisser influencer et donc les avis contraires te permettent de dire, ben non, mais j'avais pas vu ça. C'est important. Comme on le dit souvent, en tout cas je le prêche souvent, être capable d'écouter tout le monde. Écoute, parce que parfois tu es là, tu as pris une décision ou tu es penché dans un positionnement, mais c'est en écoutant les uns et les autres que tu réalises que, oh là là là, je n'étais pas dans la bonne pensée de Dieu. Il n'y a pas de honte à le reconnaître pour soi. Le but, c'est de plaire à Dieu. Amen. Le but, qu'importe que ce que les gens peuvent penser, ah tu pensais ça, ah tu as changé d'avis, mais c'est pas important, je m'en contrefiche. Ce qui est important, c'est que voilà, je me corrige par rapport à Dieu pour plaire à mon Dieu. Amen. Sauver la face devant un homme, une femme, c'est le cadet de nos soucis. Et dire merci mon frère, merci ma soeur, même je te le dis pas, ah là j'étais sous mauvaise influence, j'étais en train de pencher, mais cette pensée là m'a aidé à m'éclairer. Et bien souvent, je le dis, moi ça m'aide. Je l'ai toujours dit, hein, je n'ai pas confiance en moi-même. Même si ça avait scandalisé, la première fois que je l'avais dit, ça avait scandalisé bien des personnes. Comment ça, le pasteur Guérémy n'a pas confiance en lui? Ben oui, hein. J'ai confiance qu'en Dieu. Et c'est pour cela que les avis des uns et des autres
très souvent, en tendant l'oreille sans même s'en rendre compte, permet de corriger, de rectifier les choses. Amen. Et c'est vraiment important. C'est surtout important lorsque on est pasteur, on dirige l'église et que c'est important que tu as des décisions qui peuvent, que tu as à prendre, des choix que tu dois faire qui peuvent influencer les uns les autres. Faut être ouvert. Faut être ouvert à tout ce qui se passe, sensible pour cerner la pensée de Dieu. Parce qu'on n'est pas, il y a des jours où on est bien, très très bien, on discerne, et puis il y a des jours où je pense aussi que c'est parfois Dieu qui permet ça pour toujours t'amener à l'humilité, pour t'amener à dépendre de lui. Parce que sinon, après, tu tombes dans le piège de Josué dont on avait parlé, tellement ultra confiant en toi-même que tu fonces et tu ne réalises pas que tu es en train de te faire avoir bêtement par ta chair. Donc, pour revenir à la pensée, nous sommes des chrétiens qui défendons uniquement la gloire de Dieu. Quelle que soit la communauté dans laquelle nous sommes là pour défendre, non pas un ministère, mais c'est pour faire connaître le nom de Dieu. C'est pour que l'évangile avance pour la gloire de Dieu. Si dans ton cœur, c'est pour ton église, c'est pour ton pasteur, mais tu es à côté de la plaque et de la plaque chaude où tu es en train de te brûler même chaudement. Complètement à côté de la plaque. C'est comme l'amour. L'amour, ce n'est pas l'amour que des frères et sœurs de ton église locale. Si ton amour s'arrête à là, ben, tu es complètement à côté de la plaque. C'est comme le service pastoral. Je suis beaucoup plus, j'accompagne beaucoup plus de personnes qui sont hors de la main d'association que de la main d'association. Donc je veux dire, non, 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 moi je suis pasteur que de la main d'association, je ne suis pas disponible pour vous. Tout à l'heure, cet après-midi, j'ai rendez-vous téléphonique avec un pasteur qui m'a contacté. Je ne vais pas dire, non, non, comme tu n'es pas de la fédération, je ne suis pas disponible pour toi. On est au service de Dieu. Au service de Dieu. Veille sur ton cœur, pour qui tu travailles. Pour Apollos, pour Pierre, pour Céphas, mais tu es complètement à côté de la plaque. Mais c'est subtil. Si tu ne fais pas attention, mais tu vas te faire avoir. Tout ce que tu fais, en fait, tu ne le fais pas pour Dieu. Tu fais pour la gloire de ton daddy, de ton papa, de ton église. Tu ne le fais pas pour Dieu. Parce que quand tu es libéré de tous ces entraves, tu es capable. Regardez, les gens étaient, beaucoup de gens, maintenant ils sont plus étonnés, étaient étonnés que sur Facebook en particulier. Depuis longtemps, je le fais, que j'étais capable de prendre un bon enseignement de quelqu'un d'autre et de le partager. Ils étaient étonnés, mais pourquoi tu le fais? Après, au fur et à mesure, certains ont commencé également à le faire. Je le prends parce qu'avant, je ne faisais que dire partager et je l'avais expliqué au pasteur Richel. Quand je ne faisais que appuyer sur le bouton partager et quand ça venait de quelqu'un d'autre, il n'y avait pas la même. Comment est-ce que je peux dire? Les gens ne lisaient pas autant que lorsque je mettais complètement sur mon poste, qu'à la fin je mettais le nom de l'auteur. Et donc c'est pour ça que je copie et je colle sur mon poste. Comme ça, les gens au début me disent, bah, tiens, c'est peut-être le pasteur Guérémy, ils vont lire. Et puis à la fin, ils découvrent, ouais, c'est pas le pasteur Guérémy. Donc beaucoup étaient étonnés. Et beaucoup ne le font pas parce que, bon, si je le fais, c'est comme si je valorisais telle personne, c'est comme si je mettais en avant telle personne. Mais le message, c'est ça qui compte. Est-ce que ça va sauver les gens? Est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Est-ce que ça peut instruire quelqu'un? Tel que le dernier message que le pasteur Richel inspiré, il était au mariage, mais il était inspiré, qu'il a publié là, que je vais, enfin, j'en parlerai avec lui. Qui est magnifique sur le combat spirituel, qui est riche, qui est très sage, c'est magnifique. J'en parlerai un peu avec lui sur la présentation parce que c'est riche où il en refera une prédication parce que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose mais c'est de la sagesse profonde. Ça, c'est un message à prendre et c'est un message à partager. Pourquoi? Mais parce que ça va sauver des gens, ça va enrichir des gens, ça va ouvrir les yeux aux gens. Donc je vais dire non, je ne veux pas le partager, sinon ça fait la pub du pasteur Richel, ça va glorifier le pasteur Richel. Des stupidités incroyables. Incroyables. C'est ce cœur qui est parfois dans les cœurs. J'ai entendu certaines raisons parfois bêtes pour lesquelles certains ne partagent pas. Bon, bref, je passe, c'est incroyable.
Mais derrière ces raisons, c'est quoi? Voilà, si je partage le passage, le message que telle sœur a écrit, c'est comme si j'honorais cette sœur et les gens vont aller liker et ils vont être amis avec elle. Et puis, je vais perdre certainement certains likeurs qui vont aller le faire. Tant mieux! Il y a quelqu'un d'autre qui le fait très bien sur les réseaux sociaux. C'est la sœur Edwige Lawson, d'ailleurs, qui le fait très, très bien. Qui partage, elle juge que c'est un message qui peut faire du bien. Elle prend, elle partage. Elle travaille pas pour sa gloire. Ça, c'est bien. Plusieurs commencent au fur et à mesure à le faire également. Tant mieux. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'elle le fait? C'est parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Quand ça peut sauver, qu'importe le nom de la personne, qu'importe le ministère de la personne, on partage parce que le but, c'est le salut des personnes. Mais regardez dans les cœurs pourquoi on ne va pas le faire. Sinon, ils vont voir que ah, c'est encore un tel. Ah, ça va valoriser un tel. On ne va pas le faire. Pour imiter encore, franchement, je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas. Et ça, ce n'est pas bien. Mais ça existe dans l'Église parce que malheureusement, dans les cœurs, la mauvaise motivation est là. On ne travaille pas. Quelles que soient les raisons que tu peux avancer, tu ne travailles pas pour Christ. Tu ne travailles pas pour Christ. Quand on travaille pour Christ, on est libéré. On est libéré de ces failles. Regardez, lorsqu'on a sorti, par la grâce de Dieu, le chant « J'attends ton retour », ça a plu à certains, mais ils ont partagé sans problème. Il y a la belle-sœur de Maman Carmen qui, dès le dimanche suivant, a pris le chant. Ils ont chanté dans leur église. Et là où d'autres se sont dit « Ah non, 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 on ne va pas partager, sinon ils vont voir que cette église-là, ils ne vont pas partager. » On va pas les valoriser. Et après, les gens vont aller sur leur site. Après, ils vont être likés. Ils vont être des jalousies masquées, des rivalités masquées. Niveau spirituel, moins que zéro. Un chant qui peut interpeller beaucoup de personnes pour se préparer au retour de Jésus. Et toi, tu ne vas pas vouloir partager juste par rivalité, par jalousie, par concurrence, par comparaison. Allez m'expliquer ça spirituellement. Et là, quand tu vois le pasteur Richel pendant le mois de septembre le mettre chaque fois en introduction, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Ça va les valoriser, ça va les mettre en avant. Ça... Parce que tu n'as pas compris ce que lui a compris. Travailler pour le royaume. Et c'est ce que tu dois apprendre. C'est ce que nous devons apprendre. Et c'est ce que nous devons être capables de corriger. Au nom de Jésus. Nous allons parler de Dieu, bref. 3 Jean. Troisième épître de Jean. Je prends mon temps parce que c'est ça qui mine. Et parfois là, on dit on jeûne ensemble, on prie ensemble, mais les cœurs sont tellement mauvais que Dieu ne peut pas nous écouter parce que le fond du cœur est mauvais. Tu te réveilles pour prier, tu pries matin, midi, soir. Tu prophétises, mais le cœur, il est mauvais, mauvais, parce que la racine de ton cœur, les motivations sont mauvaises. Mais ta bouche sort des choses qui ne sont pas le reflet de la vraie motivation dans ton cœur. Troisième épître de Jean, chapitre 1, du verset 9 au verset... Troisième épître de Jean, page l'épître de Jean, et pas l'évangile de Jean. J'ai écrit une lettre à la communauté, mais Diotrèphe, qui aime passer devant les autres, n'accepte pas notre autorité. C'est pourquoi, quand je viendrai, je parlerai de ce qu'il fait et de tout le mal qu'il dit contre nous, et cela ne lui suffit pas. Il refuse de recevoir les autres chrétiens. Et quand certains veulent le recevoir, il les empêche de le faire et il les chasse de la communauté. Ami très cher, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Les deux trèfles également existent. Ceux qui veulent être les premiers de la classe. C'est bien écrit, hein? J'ai écrit une lettre à la communauté, mais Diotrèphe, qui aime passer devant les autres, n'accepte pas notre autorité. L'apôtre Jean qui écrit. Pas n'importe qui. Jean écrit. Et Diotrèphe va être de celui qui va dire, non, 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 lira pas la lettre de l'apôtre Jean. Non, 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 tout ce qu'il raconte là, zéro. L'apôtre Jean. Et quand cela ne suffit pas, il refuse de recevoir les autres chrétiens. Encore un chrétien qui refuse de recevoir les autres chrétiens.
Et quand certains veulent le recevoir, il les en empêche et les chasse de la communauté. Voilà le comportement de Dieu. Bref, encore l'esprit de jalousie, l'esprit de concurrence, l'esprit de rivalité qui est là au niveau de l'église. Il refuse l'enseignement de l'apôtre Jean, il refuse l'autorité, il s'oppose un peu comme Alexandre Forgeron. Et quand il y a des chrétiens qui veulent se soumettre à l'apôtre Jean, il les chasse. Tu ne veux pas que des chrétiens reçoivent d'autres chrétiens. Et il les chasse de la communauté. Le niveau de comportement malsain. Et c'est quelqu'un qui prétend chrétien qui se comporte comme ça. Je me rappelle lorsque Michel et la femme de l'ancienne chérie Aïcha sont arrivés à l'église où nous étions. À cette époque-là, il n'y avait qu'une seule personne qui prophétisait dans l'église. C'était tous les dimanches, c'était depuis longtemps, longtemps. Il n'y avait qu'une seule personne qui prophétisait dans cette église où elle a été baptisée, dans laquelle que j'avais aussi rejoint. Une seule personne prophétisait. C'était la prophétesse attitrée. Donc, quand Dieu, après le baptême de Michel et d'Aïcha, Dieu accordait le don de prophétie à Michel et Aïcha, ah, ça commençait à réagir. Et lorsque Dieu m'a accordé aussi de commencer à prophétiser dans l'église, alors là, les choses sont devenues encore pires. L'opposition, la rivalité et l'organisation du complot s'est mise en place. L'esprit du premier de la classe. C'est-à-dire moi d'abord, il n'y a que moi qui suis là. Je ne peux pas accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait le même don, le même ministère. C'est moi qui étais vu, c'est moi qui étais en premier, c'est moi qui étais adulé. Et donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de faire, non. S'il n'y a qu'une personne qui est capable de prêcher, c'est moi. Je ne veux pas d'autres prédicateurs dans l'église. Je ne veux pas d'autres prophètes dans l'église. Je ne veux pas de chants qui viennent avec de meilleures voix que moi ou de meilleures onctions que moi. C'est moi et c'est moi et c'est moi. Cet esprit de premier de la classe, c'est un esprit que nous ne voulons pas dans l'église. Au contraire, ce que nous reconnaissons tous et qui fait la joie et l'admiration de beaucoup, dans notre église, la main d'Association Paris, on tend la main. Tu as un don, tu as un appel, tu es capable. Plus il y a des serviteurs, mieux on est. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a qu'un tel qui prêche, il n'y a qu'un tel. Si tu as reçu, tu feras. Si tu es capable, tu feras. Tout le monde doit grandir, tout le monde doit aller de l'avant. Et comme souvent je l'explique, il y a beaucoup de pasteurs qui m'encouragent, qui me félicitent dans ce cadre-là, mais eux-mêmes, ils ne le font pas dans leur église, ils ne le font pas dans leur communauté. Ils m'encouragent, ils félicitent, ils disent c'est bien, mais ils ne le font pas, ils ne le feront pas non plus. Il y a certains parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance. Et puis, si un frère prêche mieux, bon, peut-être que je vais me sentir dévalorisé, il faut que je sois moins indispensable. Une grosse stupidité spirituelle. Parce que plus tu as des gens qui prêchent, comme je dis parfois au pasteur Carmen, tu sais, lorsqu'il y a deux prédicateurs, on partage aussi les mêmes combats. Donc, si on peut partager les combats, tant mieux. On va partager les combats. On dilue les combats. Donc, plus il y a des prédicateurs, plus le combat est dilué, plus l'ennemi a un casse-tête, plus l'ennemi est désarmé. Mais quand il y a un seul prédicateur, un seul de ceci, tout dépend que d'une seule personne. Mais tu facilites le travail de l'ennemi. Il sait que je vais canarder là, tout est par terre. Or que quand tu lui donnes les maux de tête là, quand l'ennemi sait que si le pasteur Guirimi n'est pas là, le pasteur Carmen n'est pas là, le pasteur Richet n'est pas là, maman Michel n'est pas là, mais on a Elena qui est capable de prêcher. Vous vous rendez compte le mal de tête que tu lui donnes? Il dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et c'est ça le bien de l'église. Le bien de l'église. Donc l'esprit premier de la classe, non, nous n'en voulons pas. Et donc nous devons toujours être capables d'accepter que Dieu puisse utiliser notre frère, notre sœur, même un nouveau converti. Être capable de l'accepter. Pourquoi? Mais parce que la gloire revient uniquement à Dieu. La gloire ne revient à aucune personne. La gloire revient à Dieu. Nous travaillons pour le ministère de Dieu. Nous travaillons pour l'église de Jésus-Christ. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Et donc, tant que Dieu lève beaucoup d'ouvriers, ben nous en sommes conscients, nous en sommes contents, nous en sommes réjouis pour la gloire de Dieu.
Pour terminer, nous allons lire un texte et nous continuerons mardi avec un temps de partage. Galates 2, 1 à 9. Le comportement exemplaire, qui est aussi le fondement du nom de notre assemblée. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié par les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Voilà le bon comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Cette explication de l'apôtre Paul, c'est suite au trouble que va connaître l'église d'Antioche, dont l'apôtre Paul et Barnabas, entre autres, étaient des responsables. Cette église va connaître un moment de trouble parce que des chrétiens vont venir de Jérusalem, vont chercher à aller imposer des pratiques judaïques à l'église, aux nouveaux convertis d'Antioche. Ça va créer un trouble, il va avoir, vous pouvez le lire dans Actes chapitre 15, il va avoir des discussions et donc les frères vont se dire, bon, allez, on va envoyer une délégation, la délégation de ces personnes et une délégation de l'église avec l'apôtre Paul et Barnabas. On va les envoyer vers les apôtres afin de savoir qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce que ces chrétiens de Jérusalem cherchent à venir nous enseigner. Et donc, il y a eu le concile de Jérusalem où, après avoir écouté les uns comme les autres, Pierre, Jean et Jacques vont reconnaître que l'apôtre Paul avait reçu la bonne parole et ce qu'il prêchait était la vérité. Et donc, ils vont écrire en retour à l'église d'Antioche pour dire, voilà, pour en fait soutenir l'enseignement que l'apôtre Paul et Barnabas donnaient à l'église d'Antioche, donc corrigeant ces aventuriers que les apôtres n'avaient pas envoyés et qui étaient partis troubler l'église d'Antioche. Et l'apôtre Paul et Pierre, l'apôtre des circoncis, et Jacques et Jean vont donc accorder cette main d'association. Pas de jalousie, pas d'envie, pas question. Non, Paul, et non pas Paul, mais qui t'a établi, Paul, on ne t'a pas imposé la main, Paul, on ne te reconnaît pas, Paul, pour qui tu te prends. Non, ils vont reconnaître la grâce. Tout ce qui va leur importer, c'est de rechercher à reconnaître est-ce que le frère a vraiment reçu l'appel. On enlève toutes les bonnes raisons personnelles, individuelles. Non, on cherche la gloire de Dieu. Je veux savoir, est-ce qu'il a reçu l'appel? Mais s'il a reçu l'appel, alléluia, on s'embrasse, on se tend la main pour travailler ensemble. Et ils se sont donné la main d'association. Frère, tu as reçu de Dieu. Voilà, va travailler, va de l'avant. Continue à faire ce que Dieu t'a accordé. Pas de jalousie, pas de rivalité, pas de concurrence. Mais la main d'association pour que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que tu veux être dans cet état d'esprit?
Mardi, nous allons revenir là-dessus. Nous parlerons du mauvais zèle. Donc, si tu as déjà au travers de ce message quelque chose que tu voudrais dire, écris-le. Comme ça, tu pourras partager, tu auras la parole, tu pourras partager le mardi pendant le moment le moment d'échange de la réunion du soir. Mais c'est cet état d'esprit que Dieu voudrait que nous ayons. Tu discernes l'appel qui est dans le frère. Tu discernes le message qui est dans le frère. Il est bon. Il est à la gloire de Dieu. Mais voilà, on s'accorde la main d'association. Le frère qui vient d'arriver dans l'église, il a cet appel de Dieu, il a reçu. Même s'il a des failles, est-ce que je peux l'accompagner pour qu'on y arrive? Mais on ne cherche pas par jalousie, par envie, par concurrence, par comparaison, par complexe également. Et mais il vient d'arriver, déjà le pasteur lui donne tel titre. Moi, je suis là depuis longtemps. Déjà le pasteur lui accorde de. Il vient juste de. Non, le but, c'est pas ça. A-t-il reçu quelque chose de bien pour le peuple de Dieu? Oui. Bah, c'est ce qui importe. Est-ce que ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'Église? C'est ce qui importe. C'est comme dans certaines initiatives qu'on peut prendre dans l'Église. On fait la préparation de mariage. Et on expliquait dans le fonctionnement de couple, on n'a pas toujours le temps de d'abord avertir l'autre pour lui demander est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux prendre telle décision. Mais dans la confiance, lorsque l'autre a posé un acte sans même qu'on soit au courant, le point de raisonnement, c'est pas pourquoi il m'a pas averti, pourquoi il m'a pas demandé mon autorisation, mais le point principal, c'est dire, mais l'initiative qui a été prise, c'est pour le bien du couple, le bien du foyer, même si j'ai été averti plus tard. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que c'est pour le bien de l'Église? Oui. C'est pas se monter sur ce grand cheval. Moi, le pasteur, j'ai pas été averti. Moi, le chef de famille, j'ai pas été averti. C'est pas ça le but. L'intérêt du royaume, c'est ça qui doit être notre but. L'intérêt du royaume. Et que Dieu puisse visiter nos cœurs. Que Dieu visite ton cœur. Que chacun prenne vraiment ce temps d'examen devant Dieu, de ses motivations dans le travail pour Dieu. C'est quoi les motivations? Quelles sont tes vraies motivations? C'est dans la présence de Dieu que tu seras capable de découvrir parfois ces mauvaises motivations, ces mauvais objectifs, cette racine qui n'est pas bonne. Cette racine qui n'est pas bonne. Je ne dis pas qu'il faut dire oui, amen à tout. Lorsque la parole qui est prêchée n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Même si ça vient du pasteur Jérémie. Même si dans ce qu'il a dit, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes. Doit être capable de dire là, c'est bon, là, c'est pas bon. Ça, c'est une liberté que Dieu nous reconnaît. Mais il ne faut pas que la motivation soit mauvaise. C'est-à-dire que tu écoutes le pasteur Jérémie prêcher, toi, tu es là avec le stylo pour noter le nombre de fautes de français. C'est tout. Tu es juste dans cet état d'esprit. Enfin, je suis en train de paraphraser un peu. En fait, toi, tu es là non pas pour écouter le message que le pasteur Richel est en train de donner, tu cherches juste la faille. Un peu comme les gens sur le net, quoi. Tu cherches juste la faille. Et quand tu as la faille, voilà, c'est tout ce qui t'importe. Le but, juste ça. Vous voyez, on peut voir rien que ce but qui est malsain, alors que la Bible nous autorise sainement d'écouter un message et puis d'être capable de dire non, cette partie-là, elle n'est pas biblique. Ça, c'est bon. Voilà. Ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Voilà, non, on n'est pas d'accord là-dessus. Vous voyez comment est-ce que sur deux points, on peut être dans des mauvaises motivations, bonnes motivations, de discernement, comme dit la Bible, dit d'examiner toutes choses. Et puis, toi, tu vas être là en train d'examiner toutes choses, mais juste dans le but de nuire. Juste dans le but de salir. Donc, que Dieu visite nos cœurs. Nous rentrons dans une nouvelle phase où le combat va être terrible, où il faudra que les chrétiens authentique selon la volonté de Dieu, selon le temps de Dieu, soit solidaire, mais d'une bonne solidarité. D'une bonne solidarité. Avec des bonnes motivations. Pour que même à deux, à trois, nous formons un fond commun, un bloc infranchissable de la part de l'ennemi. Et que Dieu nous aide par rapport à cela. Et si toi, tu as été victime de Diotref, si tu as été victime d'Alexandre le forgeron, si tu as été victime de ses disciples qui vont dire à Jésus, empêche-les parce qu'ils ne sont pas avec nous, et que tu en as été blessé, tu en as été traumatisé, je veux prier au nom puissant de Jésus que tu en sois guéri, que tu puisses te relever et que tu sois restauré et que tu reprennes la marche en avant, fortifié
est devenu invincible face à toutes ces paroles qui peuvent venir de gauche ou de droite, dans le nom tout-puissant de Jésus. Donc, j'en ai terminé avec la parole de ce matin. Donc, je vais dire au revoir à ceux qui sont sur Facebook et nous allons continuer en audio avec nos frères et sœurs qui sont sur Skype.